Au cœur de mon âme, loue le Seigneur, que tout ce qui est dans ma vie nous enseigne.
rendez-vous précis, le nom de Jésus. 552, le nom de Jésus. Chant. Bouclier d'Israël, toi qui nous as aimés d'un amour insondable, tu nous as gardés durant toute la semaine, Seigneur, tu nous as protégés contre toutes les ruses de l'ennemi, dans nos occupations, dans nos déplacements, ta main puissante a été notre partage. Parce que tu nous as donné le nom victorieux de Jésus-Christ, ce nom, Seigneur, qui ne nous laisse pas seul, tu es avec nous tous les jours, malgré les ruses de l'ennemi, nous te disons grandement merci. Merci pour ce jour de victoire, où tu nous rassembles dans ta maison, Seigneur, en commun avec les bien-aimés dans le monde entier, pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint et véritable, que ton nom soit béni, exalté, magnifié d'âge en âge, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
nous comptons le 556. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, chant. Le Seigneur m'aime. Notre Père et notre Roi, merci pour ton nom parmi nous. Dieu continue.
continue à nous diriger dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. D'adoration au grand Dieu vrai et vivant. Et comme première annonce, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Préparons-nous, sanctifions-nous. La parole de Dieu est toujours là pour nous purifier, pour nous préparer. Alléluia. Comme deuxième annonce, le test spirituel de Déa du 5 au 7 avril 2024. Et la prière va du 3 au 6 avril. Alléluia. C'est bien pour nous. C'est pour notre encadrement dans la foi chrétienne. Comme troisième annonce, la rencontre des jeunes qui va avoir lieu aujourd'hui est prévue pour dimanche prochain. Alors, les jeunes locales. Alléluia. Et précédé, c'est la nuit des pierres des jeunes, vendredi. Et comme quatrième annonce, nous avons le programme de la littérature chrétienne. On voit devant là, l'Église a tout ce qu'il faut pour notre éducation. Les livres, tout est là. Alléluia. Mmh. Et comme cinquième annonce, le programme de la semaine, le programme de persévérance dans ce quartier. Ici, à Nouveau-Bénégal, nous avons les réunions le mardi et jeudi à partir de 18h. Et les nuits de prière sont. Les nuits de prière sont prévues pour être lundi et vendredi, ainsi que de l'autre côté à Tam Tam, donc derrière le petit marché. Donc c'est le même programme. Et il y a Abom 2, Abom 3. De ce côté-là, les réunions sont mardi et jeudi à 17h30. Les nuits de prière aussi lundi et vendredi. Et le dimanche, nous sommes ici-là. Et comme nous avons commencé par un grand culte, on demande aussi ce qui rend ce culte spécial. C'est qu'il y a présentation d'enfants. Alléluia. Alors nous sommes ici pour un culte spécial. Nous allons nous réjouir devant le Seigneur. Les enfants qui nous a encore accordé, souvent, le réveillant est là et nous devons nous apprêter. Alléluia. Mets ta place.
Nous levons tous, nous écoutons. Toi qui te donnes le nom de juste, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous inspire par sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 390. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. La paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie. Donnons tant de bien aux pécheurs. C'est dans l'évangile de la vie. Chant. Yeah.
parole est la solution à tous nos maux. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour l'écouter. Tu connais les difficultés des uns et des autres. Tu connais les prières, Seigneur, des uns et des autres. Par ta parole, Seigneur, tu nous instruiras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de célébrer ce culte pour la présentation de notre enfant. Et nous disons merci à Dieu pour cette occasion. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, bien-aimés, que la vie chrétienne, a pour finalité la vie éternelle. Nous croyons en Dieu pour avoir la vie éternelle. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie éternelle et qui travaille tous les jours pour que personne ne puisse avoir une bonne relation avec Dieu pour avoir ce qu'il a perdu. Le diable, celui qu'on appelle le diable, diable veut dire celui qui divise. Le mot diable veut dire en latin celui qui divise. C'est-à-dire celui qui divise était l'ange des lumières. C'était le premier des anges de Dieu, avec toute sa magnificence que Dieu lui avait donnée. Et il a perdu cela par la rébellion, parce qu'il a lui-même s'asseoir à la place de Dieu. Et la rébellion a été tellement forte, comme la Bible nous le dit, il y a eu une guerre au ciel entre les anges fidèles à Dieu et les anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Et comme la justice doit nous vaincre, comme Dieu est le juste, il les a précipités dans les enfers. Et nous sommes en enfer. Il les a éloignés du ciel. Et c'est comme si que le diable est descendu pour s'attaquer à l'être que l'homme, que Dieu aime le plus. L'être pour qui Dieu a créé le monde entier. L'être pour qui Dieu a fait les beaux fruits que nous voyons. L'être pour qui Dieu a fait toutes les choses. Les animaux, tout, Dieu a fait cela pour un seul, une seule personne, pour l'homme. L'homme est fait à l'image et sans la ressemblance de Dieu pour témoigner tout l'amour, toute l'affection que Dieu a eu envers l'être humain. C'est vrai que le diable ne sait pas, il n'est pas devenu du ciel, il a été précipité, il n'est pas allé trouver le lion en brousse, ou bien, il est venu pour détruire la relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme, pour détruire la vie éternelle. Parce que Dieu a conçu l'homme pour que l'homme soit comme lui éternellement. Et le diable a donc tout fait pour que le ciel qu'il a perdu, que l'être que Dieu a créé ne puisse jamais bénéficier, que Dieu soit obligé de chasser l'homme du jardin d'Éden, la vie éternelle, pour qu'il souffre aussi comme lui. Que ce que sous lui. Voilà, bien aimé, le plan du diable jusqu'à aujourd'hui. Le diviseur, celui qui apporte les divisions, que ce soit dans les familles, dans les nations, dans les églises, partout, qui s'appelle le diable. Et pour le chrétien qui a connu Dieu, qui vit pour la vie éternelle, il sait que nous ne pouvions rien faire contre celui qui est plus puissant que nous. Le diable est puissant. Lorsque Jésus est venu combattre le diable sur dans ce monde et vaincre le diable et avoir la toute puissance de Dieu pour que par lui nous puissions être plus puissants que le diable. En sorte que nous pouvons maintenant dire que je ne vole pas. Nous pouvons décider de faire le bien et le faire. Avant, nous ne pouvions pas. Avant, l'homme sans Dieu est incapable du bien. C'est la vertu de Dieu en nous qui nous donne la force de faire du bien.
Quand le vêtement de Dieu sort de l'homme, l'homme devient un petit démon, incapable de faire le bien. Exactement comme la colère de Dieu est sur l'ange déchu, la colère de Dieu est qui l'empêche de pouvoir faire du bien. Quand la colère de Dieu est aussi sur l'homme, c'est la même chose. Bien aimé, le diable ne s'attaquera pas à une maison. Si s'attaque à une maison, c'est pour tuer les gens qui sont dedans. Le diable ne s'attaquera pas à un animal. S'il s'attaque à un animal, c'est pour tuer l'homme. C'est, le travail du diable, c'est sur l'homme. Et pour le chrétien qui a décidé de rentrer d'où il est sorti, il est au paradis, nous étions tous dans le paradis. Le jardin d'Éden, un lieu de bonheur, on devait vivre éternellement. Nous avons décidé de ne pas le suivre dans sa condamnation. Il est là condamné. Nous ne sommes pas encore condamnés. Alléluia. L'homme, sur la terre, n'est pas condamné. Parce qu'il a la possibilité de la rédemption par Jésus-Christ. Mais le diable est déjà condamné. On ne le condamnera plus puisque sa condamnation est déjà arrêtée. Il ne se convertira plus jamais pour pouvoir être sauvé. Il ne peut pas se convertir. Mais nous pouvons nous convertir. Nous pouvons générer des modes de vie. Nous pouvons décider de devenir enfants de Dieu et avoir la vie éternelle comme Dieu avait conçu de commencer. C'est ce que Dieu a expliqué, que c'est que Dieu a prédestiné. C'est Dieu, avant la création du monde, avait voulu que tous ceux qui vont lui obéir restent dans le jardin d'Éden. C'est ça le plan initial de Dieu. Et c'est ce plan que, lorsque l'homme suit la parole de Dieu, lorsque nous écoutons l'amour que Dieu a manifesté pour nous par Jésus-Christ, nous décidons de rentrer là où nous sommes sortis, dans la vie éternelle. Et le diable doit donc devenir directement notre ennemi. Et c'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas un chemin, un marche sur le velours pour aller au ciel. Jésus lui-même nous a fait connaître que c'est à travers les tribulations, c'est à travers les difficultés que lui-même il a su parvenir. Parce qu'il a connu que le diable a connu que celui-ci, si je le mets, si je ne gagne pas, le monde est sauvé. Et Jésus a vaincu et le monde est sauvé. Alléluia. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par la rédemption au travers de son sang. Le chrétien donc doit savoir que je ne suis pas là pour m'amuser. Que ceux qui croient en Dieu comme un amusement, qui croient en Dieu comme une chose qu'on va tester, ils ne partiront jamais. Ceux qui prennent la foi chrétienne comme un jeu, comme qui n'ont pas compris les enjeux, qui n'ont pas compris qui est le diable. Et pourquoi ils croient, mais il y a beaucoup de personnes parmi nous ici là. Si on le demande réellement, tu crois pourquoi? Chacun va dire, oui, je crois la vie éternelle. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, on ne devait même pas un seul instant, même un seul instant, douter de Dieu. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, et avec vérité, c'est impossible qu'on puisse nous détacher du Seigneur. Je vois la parole de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Est-ce? Qu'est-ce qui va? Puisque en réalité, nous croyons pour mourir. Alléluia. Si nous croyons pour mourir, comme maintenant bien qu'on meurt après, l'important pour nous, c'est que nous mourons pour aller au ciel. La parole de Dieu, pour lui, la mort est pour lui un gain. Quand on voit un chrétien aujourd'hui, il est fragilisé. Il est fragilisé par quoi? Judas pourrait être fils. Et quand Jésus a donné la condition que si vous ne m'obéissez, si vous ne m'avez pas mon corps et mon sang, si je n'entre pas en vous, et que si on n'est pas même cher, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, vous ne pouvez pas faire Dieu. Qui peut les sauver? Ils sont partis. Mais ceux-là qui ont cru en Jésus, parce que Jésus est celui qui leur donne la victoire sur le diable et qui leur ouvre la porte du ciel, ils ont dit que, maître, à qui l'autre est, tu as le pas de la vie éternelle.
Et nous avons cru. Et nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. On a pu, on ne te dirait pas. C'est que quand on va prendre dans ma tête, tout le monde va faire dans le coup. Mais quand nous ne connaissons pas ce pourquoi nous croyons, la vie chrétienne devient un fardeau insupportable. Parce que le diable va t'utiliser pour te rendre malheureux. Il va t'utiliser pour que la colère de Dieu vienne sur toi aussi. Pour que tu puisses être incapable de connaître et ta gauche et ta droite. Bien aimé, si c'est pour la vie éternelle que nous avons accepté de laisser, n'est-ce pas, le monde et devenir chrétien, il n'y a rien qui devrait décourager le chrétien de quelque manière que ce soit. Il n'y a rien. Quand il voit les chrétiens, aujourd'hui, sont découragés, vraiment, avec tout ce qui se passe à l'issue découragés, tu n'as pas encore commencé à croire. L'important, c'est de savoir, est-ce que je marche sur le chemin des anciens? Est-ce que Dieu est contre moi? Si Dieu est contre toi, sois malheureux. Sois malheureux et demande pardon à Dieu, arrange ta vie. Mais si tu sais que je n'ai rien, Dieu ne me reproche rien, et bien je n'ai pas la tête du diable avec moi, bien aimé, tous les difficultés qui vont venir, ça sera pour te permettre d'arriver à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Même quand tu blâmes, même quand on va te couper la tête, c'est pour que tu arrives vivre dans la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que foi. Qui n'ont pas compris pourquoi ils croient, tous les découragent, tous les font chanceler, tous les ceci. Il y a eu un frère l'autre jour, il est glacé à l'église, le sommeil vient, et tout vient. Et il dit, mes frères, tu es le serviteur de Dieu et tu dois à la prière. On me dit, le frère, il doit à la prière. Et après, même la joie qu'on avait connue, le frère, c'est fini. C'est quoi? Il dit, c'est mon problème de mariage. Il dit, ah, donc comme ton mariage est un peu dur là, comme ça fait, comme si ça ne va pas être bien là, c'est ça le temps. Mais tant que tu vas maintenant avoir, quand tu vas te marier, tu vas dire, c'est une victoire. C'est ça pas la victoire. Mais ce sera une victoire sans gloire. Donc, parce que ton mariage est un peu. Le fait que tu demandes a un peu mis le frein, tu commences à dormir à l'église. Maintenant, s'il refuse, si la fille refuse, tu vas s'en abandonner la foi. Il n'a pas compris ce pourquoi. Qui te dit que ce n'est pas pour cela que Dieu a voulu bien? Il est certain qu'il dit que tu apprends à prier. Bien aimé, quand quelqu'un a connu la foi chrétienne, toutes les difficultés qu'il peut avoir dans le chemin du ciel, c'est pour le parfaire. C'est pour qu'il soit, c'est pour le tailler davantage. Mais plus de personnes, dès qu'il a laissé un examen, il regarde son document. Non, bien aimé, plus ils n'ont pas connu ce pourquoi ils sont là. Plus ils n'ont pas connu ce pourquoi ils sont là. Mais quand ils connaissent que j'ai cru pour la vie éternelle, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on parle en l'air. Il faut faire des choses de pratique. Je vis la vie éternelle ici déjà. Il ne veut pas vivre la vie éternelle après la mort. Non, la vie éternelle n'est pas après la mort. Même Jésus a pensé que la vie éternelle, c'est après la mort. Jésus a enseigné que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il est dans la vie éternelle. La vie éternelle, il est une vie qui ne finira jamais. Ça ne va pas finir avant de commencer. Ce n'est pas une vie qui finit d'abord avant de commencer. C'est que quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, on est entré dans la vie éternelle. On a commencé une nouvelle existence. Pour ne plus achever cette existence qui est marquée par la relation qui nous lie intimement à Christ et à Dieu, qui nous pousse à aimer les choses de Dieu. Mais quand dans notre chair encore, on a des luttes, on a des ceci, on a des cela, ça devait simplement nous permettre de nous perfectionner davantage et connaître qu'on n'est pas encore parfait. D'après les gens disent, l'ange dit à Jean que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. C'est ça bien que nous devons comprendre. Un chrétien
ne devrait jamais se décourager. Les difficultés dans la vie chrétienne sont normales. Alléluia. Les incompréhensions, c'est que le monde ne se comprenne pas, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui n'est pas là pour la vie éternelle ne peut pas se comprendre. Comprends très bien. Quelqu'un qui n'est pas là pour la vie éternelle ne peut pas te comprendre. Celui qui va te comprendre, c'est celui qui est sur le même chemin que toi. Nous avons ici les établissements scolaires. Il y a ici à Sokéa, il y a d'autres là-bas un peu partout. Bien aimé, si tu marches avec quelqu'un sur le même chemin, tu peux aller dans la même école. Vrai ou faux? Sinon, à un certain moment, ce chemin va, chacun va partir dans son école. Mais si vous marchez jusqu'à destination, tous les élèves d'une même école. Et nous voulons, nous croyons que la vie éternelle, c'est la masse. La vie éternelle, c'est individuel. Quand les parents viennent ici instruire leurs enfants, ils ne viennent pas tous les parents du quartier. Alléluia. Chaque parent sort de sa maison, il prend son argent, il va ainsi son enfant. C'est après que les enfants se trouvent tous dans la même école. Et ils deviennent les élèves d'une même école, d'un même établissement. Mais pour aller ainsi, chacun est parti individuellement. Le ciel est d'abord mon ciel. À moi. Et c'est aussi ton ciel à toi. Et ça devient notre ciel. Mais si le ciel n'est pas à moi, mon ciel, et que tu as ton ciel, on ne peut pas marcher ensemble. C'est impossible. Donc, bien aimé, comprenons cela pour venir dans la foi. Et vivre la vie éternelle ici, ici, sur la terre. Dieu sont construits avec lui. Ceux qui sont de la même cité, eux ils sont derrière là-bas. On est encore ici, mais on est de la même cité. Bien, comprenons très bien ce que c'est la vie éternelle. Ce n'est pas un concept idéologique. C'est une vie pratique. C'est une vie pratique avec toutes ses exigences, avec toutes ses promesses, avec toutes ses lois auxquelles nous devons nous soumettre sans gémir. Quand tu croyais en Dieu, on n'a pas dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Mobile Christelle. Tu le connais, on n'a pas dit qu'arriver à l'église, tu vas voir Mobile Christelle. Non. Mais tu es arrivé là-bas, tu as trouvé qu'il est là. Comme lui aussi, il n'a pas dit qu'il devait aussi être là. Nous persévérons dans la même. Nous n'avons pas dit, oh vraiment, le frère, il ne m'aime pas. Il n'est pas un chrétien. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, soit chrétien. Alléluia. Qui t'aime ou qui ne t'aime pas, fais ce que Dieu te demande. Tu n'es pas venu faire des statistiques pour voir combien de personnes font la nuit de prière, même s'il y a personne qui fait la nuit de prière, fais. Tu n'es pas venu ici pour faire des statistiques pour savoir combien de personnes ont l'amour de faire dans leur cœur. Sinon, s'il y a même personne, hé, parce que Dieu te le demande. Parce que tu as pris pour la vie éternelle. Je veux que nous puissions comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes. Tu veux prendre une foi d'imitation. Comme l'autre a parlé, moi aussi je parle. Non, je ne parlerai pas. Je veux dire, comme Dieu a parlé, moi aussi je parle. Parce que pour aller à la vie éternelle, pour entrer, pour continuer, il faut entrer à la vie éternelle. On est, le chrétien y est déjà. Pour rester dans la vie éternelle, il faut que nous puissions rester et transformer par la parole de Dieu. Nous devons comprendre. Et quand nous sommes les chrétiens, on doit le montrer par ses actes au quotidien. Et non pas les gens dans ses vagues. Vous avez aimé ce que nous pouvons commencer. Oui. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses. Étant instruit par la loi. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici là des Juifs. Le Juif est la descendance charnelle. C'est ce qu'on prend dans le premier sens d'Abraham. Ce sont les enfants de la promesse. C'est ceux pour qui, de qui Abraham, Dieu a dit à Abraham qu'il veut te donner une postérité aussi nombreuse que le sable au bord
et la mère. Ils se réclament les seuls enfants de Dieu. La postérité d'Abraham, la seule postérité sur la terre ici, qui appartient à Dieu, par une alliance. Dieu a fait alliance à Abraham, avec Abraham. Mais ici, il est une question du juif charnel. Il est question du juif, du Dieu qui a fait alliance avec Dieu. C'est une question du chrétien. Nous nous considérons comme des enfants de Dieu par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, par la foi que nous avons d'abord de Dieu comme Abraham, nous devenons par la foi les enfants d'Abraham. Je vois que ce n'est pas nous concernant parce que c'est nous qui par la foi sommes maintenant le peuple de Dieu. Il dit donc que toi qui te donnes le nom de juif, c'est-à-dire qui te donnes le nom de chrétien, que si on t'appelle païen, tu vas te fâcher. Toi qui te donnes le nom d'enfant de Dieu, toi qui te glorifies, toi qui te glorifies de Dieu, tu sais, c'est mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas un peuple plus fier de leur appartenance à Dieu plus que les Juifs. Ils savent qu'ils sont le peuple béni. Même nous aussi, on a, par la foi, nous avons pris cet héritage-là, ça devient pour nous les chrétiens. Et nous nous glorifions de cela que l'Éternel nous donne avec beaucoup de jalousie, que l'Éternel, mon Dieu et mon Père, c'est nous nous sommes accaparés de Dieu. Il est devenu pour nous notre Dieu. Et nous nous glorifions de cela. Nous n'avons même plus honte. Mais nous sommes contents d'être les enfants de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous ne le connaissons pas. Nous connaissons que Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas. Nous connaissons cela. Parce que Dieu nous a instruits. Dans l'alliance que nous avons signée avec Dieu, il nous a instruits. Sa volonté, nous ne l'imaginons pas. Sa volonté nous est dictée par sa parole. Nous connaissons que Dieu n'aime pas qu'on marche comme ça. Dieu n'aime pas qu'on mange comme ça. Dieu n'aime pas qu'on s'habille comme ça. Nous connaissons quelle est la volonté de Dieu. Qui apprécie la différence des choses. Nous connaissons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous connaissons, la parole de Dieu nous a instruit que voici un enfant de Dieu le fait comme ça. Même quand tu marches, tu as un langage, tu te parles, tu sais que non, celui-ci est un enfant de Dieu. Sa manière de parler là, c'est que tu connais la gloire de Dieu. Et l'autre quelqu'un qui est assis à l'église et qui parle quelque chose, il dit non, celui-ci, il n'a pas encore compris. Parce qu'il ne marche pas selon la volonté, il ne veut pas les différentes choses. Nous connaissons les différentes choses. Le monde est dans les ténèbres. Le monde ne connaît pas comment on va s'habiller. Mais nous connaissons comment on va s'habiller. Les gens apprécient les choses qui sont mauvaises. Mais nous connaissons, Dieu nous a donné la capacité de connaître quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. Nous pouvons discerner. Même une idée qui vient, on peut discerner que ça, ce n'est pas le son de Dieu. Dieu n'est pas les gars. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Nous aimons, dis oh, les païens. Oh, celui qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'on a vu sa manière de conduire. On est là pour donner que non, on ne fait pas ceci, on se montre. Et c'est ça la vie chrétienne. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons la règle de la science et de la vérité. Nous connaissons ce que Dieu a interdit. Et nous le disons à tout le monde que Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas le vol, Dieu n'aime pas l'adultère, Dieu n'aime pas la fornication, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas ceci. Nous connaissons cela parce que Dieu nous a instruits. Hier, on ne connaissait pas. Hier, on parlait de tout le monde. Que tout chemin est bon pour qu'il soit efficace. Donc, si tu pouvais mentir et avoir ton compte quotidien, tu le faisais. C'est pour ça que tu arrives à ton compte quotidien. Mais Dieu nous a montré que le pain, c'est pas seulement le pain de Dieu qu'il faut avoir. Mais il faut avoir un peu de pain que tu vas manger jusque dans la vie éternelle. Les autres personnes ne connaissent pas. Le monde entier ne connaît pas. Si les gens connaissaient ce que nous connaissons, c'est que le monde, on serait dans un monde meilleur. Nous connaissons, hein, parce que Dieu nous a instruits, on a dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, la règle de la science et de la vérité.
Nous connaissons ce que Dieu veut et c'est vrai. Toi donc, tu enseignes les autres. Toi donc, avec toutes ces connaissances que tu as, tu connais le bienfait de l'amour fraternel. Tu connais pourquoi on doit dire la vérité. Tu connais que celui qui ment est du diable. Il dit donc, toi donc, qui te porte le nom de chrétien, qui te vante de beaucoup de choses, qui te glorifie de beaucoup de choses, toi donc qui dis, qui enseigne aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Mais c'est difficile. Tu connais quoi ce que les autres ont fait qui est mal. Tu connais quoi ce que les autres ont fait qui est mal. Que tu l'as fait, ceci, c'est pas bon. Mais toi-même, tu n'arrives pas à dire, je ne veux pas faire. Tu enseignes les autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu connais comment on doit chanter la gloire de Dieu, mais tu ne chantes pas toi-même. Tu connais que si quelqu'un fait, c'est ce qu'il a perdu la foi. Et tu fais. Et tu veux porter le nom de Dieu, celui de chrétien. Oui? Toi qui prêches, ne veux pas dérober. Toi qui prêches aux gens que le vol n'est pas bon. Tu dérobes. Tu es même l'ami des voleurs. Tu manges ce qui est volé. Tu salis ton identité de chrétien. Toi qui enseignes aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu connais les règles qu'on doit faire, mais tu ne fais rien. Tu connais que si quelqu'un doit la nuit de prière, il méprise Dieu. Tu dors. Tu sais que tu ne peux pas avoir les mauvaises pensées contre quelqu'un. Tu as. Tu ne peux pas mentir contre ton frère. Tu mens. Dieu, comment est-ce que nous pouvons dire nous respectons notre identité? Oui? Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets des adultères. Même en pensée, les convoitises, les habits impudiques, les ça c'est l'adultère. Comment quelqu'un qui a su pour la vie éternelle peut avoir des difficultés pour marcher comme Dieu lui demande? Qu'est-ce que nous vit un chrétien plus que dans la main de Dieu? C'est là où nous sommes, où nous venons lui dire tous nos soucis, tous nos problèmes, où nous venons pleurer devant lui, où nous venons prendre notre force et tout cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'était vraiment si on venait trouver un temps à fermer la porte de l'église, ils vont être contents. Et enfin, ils vont laisser à la maison. Plus les personnes suivent, bien que par. On ne sait pas comment. On ne sait quoi faire. Oh, la vie chrétienne n'était pas cela, bien aimé. Nous devons être consolés par notre conviction. Dieu a dit qu'il ne dérobera pas. Quelle que soit la situation qui peut se présenter à nous, il n'y a pas de vote utile. Il n'y a pas de vote utile. Que s'il n'avait pas fait ça devant, il devait mourir. Mieux tu meurs. Pour dire que mieux tu meurs au lieu de voler. Toi, tu entraînes les autres. Et tu n'enseignes pas toi-même. Tu es le maître, tu es le docteur des ignorants, mais ta connaissance ne te cède pas. Tu connais que ça fait esprit, point de vie éternel, et tu ne cherches pas. Tu connais qu'on doit se sanctifier, chaque jour qu'il a la confession. Comment? Tu connais condamner ce que l'autre fait, que ce qu'il a fait là est mauvais. Mais pourtant, c'est la même chose que tu es en train de faire. Toi, tu as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Tu as en abomination les idoles. Même si tu regardes, même sur la vie de quelqu'un, tu dis la vie, ce n'est pas bien, ce n'est pas la vie des chrétiens. Mais tu as des idoles dans le cœur, tu aimes ceci. Mais qu'est-ce que l'idole? L'idole, c'est une autre divinité en dehors de Dieu. Un idolâtre est celui qui voue une adoration à quelqu'un autre ou à quelque chose autre que Dieu. On peut aimer beaucoup son enfant, comme Élie a aimé ses enfants. Il n'a pas fini de les prendre, de les blâmer, de les punir même. Et vous connaissez les conséquences qui sont venues. Toute une famille a été décimée, toute une famille a été effacée.
Ton habit peut être une idole. La nourriture peut être une idole. La colère peut être une idole. C'est tout ce que tu chéris dans ton cœur. Tout ce que tu prends avec beaucoup d'affection, c'est une idole. Tu dis donc, tu condamnes l'idolâtrie et tu commets les sacrilèges. Bien-aimé, que chacun se demande, comment est-ce que Dieu me voit? Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa pensée, la pensée qui l'anime. Comment est-ce que Dieu me voit? Donc, celui-ci, il parle d'une foi illusoire. Celui qui se donne le nom, mais dans les actions, ne correspond pas à ce nom-là. Il s'appelle Pierre et il est en prison pour vol. Ça ne correspond pas. Le nom de Pierre ne correspond pas avec un vol. Parce que Pierre, c'est Saint-Pierre. Mais comment c'est Saint-Pierre? Saint-Pierre devait être en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Ça correspond. Saint-Pierre peut être même tué parce qu'il a prêché l'évangile. Ça correspond. Mais Pierre, qui est en prison parce qu'il a volé, ça ne correspond plus. La même chose quand on est chrétien, tu peux dire quand on est chrétien, que nos actions correspondent à notre état. Être chrétien, ça devient un état. Oui, bien, nous enseignons aux hommes et nous faisons le contraire. Nous devons être des corrompus. On mange sans discerner. Et comment est-ce que tu vas être content de nous? Bien, mais que le temps actuel, de toute façon, ne nous fasse pas oublier notre état individuel devant Dieu. Que nous ne puissions pas condamner ceux qui font mal ouvertement, au point de ne pas nous contrôler nous-mêmes. La Bible, la parole de Dieu, fais attention, ne pas faire la même chose. Quand il dit que les gens ont menti, il faut prendre une voix dans ton comportement, que le mensonge n'est pas dedans. Mais quand tu dis que les autres ont menti, parce qu'ils ont menti gros comme ça, et toi tu as menti sans petit, mensonge c'est égal à mensonge. Mensonge c'est mensonge. Quand tu dis que les autres sont cupides, quand Dieu va recevoir en toi la cupidité, que nous ne puissions pas montrer le mal des uns en commettant ces mêmes mots, ça n'est pas normal. Il va dire si nous blâmons le mal, que nous puissions aller être blâmés plus sévèrement sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Parce qu'on arrive à un temps où on se questionne. Comment est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas quelqu'un faire le mal? Nous, il va dire si quelqu'un fait le mal, que le temps ce soit un temps où on blâme le mal tout de même avant. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça que c'est sanctifié. Si hier même on était peu tolérant, que nous puissions voir les conséquences que cela peut apporter et rester encore les rangs plus fermement. Bien aimé, je disais l'autre jour que souvent, la parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se lève du ciel. Se réveille. La colère de Dieu se lève du ciel. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent justement la vérité. Alléluia. Je parle de la colère de Dieu. Le plus souvent, on va penser que la colère de Dieu, quand la colère de Dieu est suivie, il va tomber malade. Il va faire l'accident. Il va. Ses affaires ne vont pas marcher. Parce que nous avons tout résumé à un seul temps, simplement matériel. La colère de Dieu est bien élevée. C'est pas ça, quand on parle des filles de la rébellion, la colère de Dieu, ce n'est pas que tu vas tomber malade, tu peux jamais tomber malade. Pourtant, la colère de Dieu t'a dit, tu es dans la colère de Dieu, c'est la colère de Dieu sur toi. Rien que le fait d'être incapable de connaître son péché, c'est qu'il y a la colère de Dieu sur toi. Comprenons très bien. Quand vous avez dit Romain, vous allez voir comment les gens ont désobé à Dieu, la colère de Dieu est venue, la colère de Dieu, à cause de la colère de Dieu qui est sur eux, ils sont incapables de faire le bien.
Or, nous sommes tellement charnels et nous voulons voir la colère de Dieu simplement quand quelqu'un est malade, donc Dieu s'est fâché de lui. Dieu peut se fâcher de toi si tu es toi-même malade. Mais tu ne pourras même plus jamais connaître comment on fait pour avoir une bonne relation avec Dieu. Tu vas tout faire, ça et ta femme encore de pouvoir discerner le bien du mal. C'est la colère de Dieu. Le diable a la colère de Dieu sur lui. Et tu vois qu'il est incapable de faire le bien. Mais la Bible dit que ceux qui sont incrédules, Dieu, Jésus leur parlait en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. De peu qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. Parce qu'ils ont eu l'incrédulité dans leur cœur. Et le Seigneur nous dit que, comme ils ont refusé, comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu les a donné de croire au mensonge. Romains dit que Dieu les a livrés à leur sens de retrouver. C'est ça la colère de Dieu. L'homme doit craindre de s'enduire dans le péché et d'enduire sur la tête la colère de Dieu. C'est très grave. Mais ne mesurons pas la colère de Dieu sur nous. Par exemple, c'est le matin, on n'est pas malade, ça il est bien le concerné. Non. Bien aimé. Non, c'est pas ça. Ça peut venir. Mais la colère de Dieu, c'est pour nous priver de la vie éternelle. Toutes les situations qui doivent nous empêcher. Un jour encore de nous dire à votre Dieu, mon Dieu, mon maître. Qui est-ce que les personnes qui mentent et ils sont convaincus de leur mensonge et la vérité? C'est ils mentent et ils justifient par A plus B que ce qu'ils disent à ses frères. C'est ça la colère de Dieu. Or, il ne fallait pas que Dieu justifie les chrétiens et que la colère de Dieu l'empêche de pouvoir connaître qui il est. Il est nécessaire, il veut que nous puissions comprendre. Et toi qui enseignes aux autres et qui t'enseignes pas toi-même. Toi qui reproches la mauvaise vie des autres. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait comme ça. Oh, il a fait comme ça. Et toi-même, tu fais les mêmes choses. Tu peux le faire peut-être en cachette, on ne le voit pas. Mais Dieu voit. Ce temps-ci devait être un temps réellement où chacun de nous s'est sanctifié doublement, avec crainte et tremblement. Quand tu veux prendre un chemin et que tu vois qu'on a dit que là-bas, il y a peut-être le danger, tu ne continues pas. Tu réfléchis encore, tu rentres là-bas, tu réfléchis parce que je ne peux encore passer. Si ce que nous voyons bien aimé aujourd'hui, les hommes faits, et ça nous étonne, sachant que cela va arriver à tout le monde, comprenons cela. Même là où nous sommes assis là. Rien ne dit que le diable ne peut pas que au point où tu puisses même répéter d'être assis là un jour. Le diable, c'est ton travail. C'est toi qui dois être avisé. Comprenons ça, c'est bien cela. Ne prends pas. Non, la vérité, c'est une vie quotidienne. Là, tu peux dire une chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. Les gens peuvent dire que. Il dit à tous les hommes à leur famille que moi, depuis 15 ans, depuis 50 ans, c'est Dieu qui me guérit et moi et ma famille. Et aujourd'hui, ils sont en rang pour aller chez les marabouts, bien aller chez les docteurs. Ça a commencé comment? Quand on voit cela, bien aimé, on est rempli de crainte et de tremblement. Que ne soit pas seulement là pour dire d'autres ont fait ceci qui est mauvais. Toi-même, tu fais comment? Corrige ce que d'autres font sur toi. C'est ça que je veux que nous puissions comprendre. Que corrige. Je ne dis pas que les autres volent. Je demande que, est-ce qu'en toi, il n'y a même pas un grain de vol? Tes amis ne sont pas des voleurs. Ce qu'on te donne là, tu connais là où ça vient. Et même souvent, tu connais que ceci, c'est le fruit du vol. Tu manges, non? Tu es voleur. Un jour, il y a eu le témoignage d'une jeune sœur. Elle est à l'université, à sa université. Elle avait beaucoup de camarades de classe là, avec qui ils étaient ensemble. Et un jour, elle est partie à l'église, on priait à l'église, elle s'humiliait.
Et une poussière est sortie, la chassant d'adultère. Elle s'est fait que ça, c'est une fausse prophétie. Ça, c'est ce que je ne connais pas cette vie-là. Depuis que j'ai cru, je n'ai plus jamais. Elle s'est fâchée jusqu'à vraiment. Elle est partie voir le sanitaire. Que je lui dis, voici un mensonge. On parle, on produit sur moi une fausse vie. Le sanitaire lui a dit, ne te fâche pas rapidement. Va t'examiner. Si c'est de Dieu, tu vas connaître. Mais si tu vas aider, tu vas connaître. Va voir avec qui tu vis, tu manges où, tu manges quoi, tu fais comment. Elle est partie regarder. Elle a vu tous ses amis, tous ses voisins étaient des prostituées. Et chaque fois, on lui dit, voici tu as un peu le sel là, on prend le sel là, on donne. Voici, il y a le poisson brisé, tu ne prends pas ta part, elle prend aussi sa part. Elle dit, mais tu connais cette alliance, ça sortait d'où? Tu mets l'alliance de la prostitution, tu es prostituée. Donc, demande-toi aussi que, est-ce que tu condamnes sur les gens, tu ne le fais pas aussi d'une manière où tu es faux. Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Amen. Si nous cherchons Dieu, on va le dire aussi, tu me cherches. Mais quand tu le trouves, il te fait un signe. Il te montre que tu m'as trouvé. Quel est le signe que Dieu t'a fait? Pour te montrer que réellement tu es dans la vérité. Ne marchons pas comme les aveugles. Est-ce que ta conscience quelque part est en paix? Ceci est un signe. Quand ta conscience ne te juge pas. Le signe n'est pas seulement que j'ai fait un conflit, j'ai passé. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu est content de toi? Chaque personne connaît si Dieu est content d'elle ou pas. Il dit, tu dis, ne pas dérober, tu dérobes. Quand tu dis ma vérité, que tu viens à 15h et tu viens à 16h, tu as fait quoi? Tu as menti. Mais tu as connu l'autre qui a dit que je l'ai vu, alors qu'il ne l'a pas dit, ça c'est un grand voleur, menteur. Quand tu as menti, quand tu dis à Dieu que Seigneur, je dois venir à la prière, alors que tu es du droit encore, tu as fait quoi? Tu es infidèle. C'est cet engagement doit nous servir à chacun de faire une réflexion profonde sur sa manière d'être chrétien. Prends le temps pour réfléchir sur toi-même que de réfléchir sur les autres. Si tu perds le temps de réfléchir sur les autres, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez pas, à part dans Actes 1. Là où les apôtres ont parlé encore du nom de Judas Iscariote. Pour dire qu'il a laissé sa place, il va y avoir un remplacer Judas qui est passé en son lieu. Vous n'avez plus jamais entendu parler de Judas Iscariote dans la Bible. Ils ne se sont plus occupés de lui. Vous n'avez pas encore vu un jour, ils ont dit vraiment ça, Judas là, hein, que vraiment moi, je savais que la manière qui me regardait là, que c'est Judas, tout le monde. On a pu parler de Judas, c'est le début avec les apôtres là, jusqu'à après on lui parle de Judas. Il est allé en son lieu, ça le regarde. Il est parti se prendre ses anciens sont versés, bon, c'est son problème. Nous, on continue la foi chrétienne. Mais quand il te met pour regarder, oh, les autres vont monter, oh, ils vont descendre. Non, quand tu regardes, prends peur. De peur que ce que tu connais aujourd'hui, tu ne sois obligé de le faire de nous. Et si c'est une discussion qui prend beaucoup de personnes, et ils se retrouvent en train de faire ce qu'ils ont condamné hier, de reprendre ce qu'ils ont abandonné. Le diable n'est pas mort. Et tout le travail du diable, c'est de t'empêcher d'aller au ciel. Donc, au lieu de te concentrer sur ce que les autres font, concentre-toi sur toi-même. C'est ça un bonheur pour toi, lui. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores pas la parole de Dieu. Il dit, toi qui te fais une gloire de la loi, que je connais la parole de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas ici. Et tu fais comment? Aujourd'hui, nous avons fêté de bonne manière. On peut être avec un frère pendant 3 heures de temps et on se sépare sans avoir une même 5 minutes pour prier. Même sans même se recommander. Les chrétiens avaient leur habitude. Même si on parle sur n'importe quoi, ça doit nous amener à craindre Dieu. Si on dit que les gens ont commencé à avoir des cornes, quand tu as le problème à dire, est-ce que c'est pas aussi sur ma tête? Tout ce qu'on peut parler doit nous permettre de craindre Dieu davantage. Le monde entier que nous voyons est un langage. Quand nous voyons les gens, c'est dénaturé. Ça doit attirer notre attention. Ils n'ont pas commencé en disant que bon, je commence aujourd'hui comme ça. Non, ils ont commencé petit à petit, c'est sur les petites faiblesses. Les petites faiblesses que nous laissons dans notre vie. Les petites faiblesses, il faut avoir 1 milliard, on commence à avoir 1. 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Même si ça fait 10 ans, on va arriver à 1 milliard. C'est les petites faiblesses que nous négligeons. Les petits écarts de conduite, les petits écarts dans le langage, les petites amitiés que nous avons que Dieu n'aime pas, les petits, finalement, on se retrouve là où d'autres personnes se sont retrouvées sans s'en rendre compte. Parce que quand nous attirons la colère de Dieu sur nous, Dieu nous met, nous courons un grand risque. Nous courons un grand risque. Ce n'est pas bien d'avoir la colère de Dieu sur nous. Parce que quand c'est par la plus miséricorde de Dieu que l'on peut reconnaître son péché. C'est par plus miséricorde, c'est quand la lumière de Dieu est pour toi que tu peux reconnaître ce qui fait qui est mauvais. Tu vois que quand Dieu n'a pas encore touché le cœur de quelqu'un, tu vas le convaincre qu'il est pécheur, tu peux le taper. Il a dit, il fait quoi? Je ne mens pas, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, je n'ai pas. Mais c'est quand Dieu le touche qu'il voit l'abîme dans lequel il se trouve, il se repent. C'est par pure miséricorde de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent plus se connaître leurs péchés. Parce qu'ils ont entité, ils ont laissé entiter la colère lumière sur eux et ils font une plus grâce. Si tu te reconnais, si tu as parmi les gens, après ce que tu dis, nous devons nous battre avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Alors, ayant pour ces personnes de la pitié mêlée de crainte, que cela pouvait aussi m'arriver. Et pour cela, ne m'arrive pas. Je sais, je me sais encore sur Jésus. Mais quand nous pensons que bon, c'est quand tu crois que tu es en sécurité et que tu baisses les bras, tu gères tes bras. Un chrétien, chaque jour, est sur ses gardes. L'ennemi ne dort jamais, comme le temps a dit. Dès que nous dort jamais, c'est nous qui sommeillons. Et après, on se vante. Il y a fait 2 jours de prière. Il y a fait 3 jours de prière. Non, vous ne pas le faire 2 jours de prière aujourd'hui. Je le fais encore demain. Il veut faire encore après demain. Il veut faire continuellement avec la même facilité. Hier, tu faisais 3 jours de prière à 7, sans problème. Aujourd'hui, tu disais, l'âge me menace. Ce n'est pas l'âge qui t'a menacé de faire 3 jours de prière. Ce n'est pas l'âge. Moïse, quand il faisait 40 jours et 40 nuits de prière, il n'avait pas tout le temps. C'est la disposition de ton cœur qui peut prier encore 2 jours à 7. Ça devient très difficile. C'est pas que tu as fait prier. Bien aimé, que chacun prenne garde sur lui. Toi, tu te dis juif, tu te dis chrétien. Veille sur ton ami. Car le nom de Dieu est à cause de il est passé parmi les païens, le nom de Dieu blasphémé, on dit, mais c'est un chrétien qui fait ça. On te dit un mot, Dieu répond, pap. On dit, mais si c'est un chrétien qui répond comme ça, ces personnes-là vont le croire comment? Bien aimé, le temps qui doit être pour chacun de nous, un temps d'une révision spirituelle personnelle, d'une remise en cause personnelle.
Vous ne venez pas ici parce que vous aimez quelqu'un. Non. Chacun est ici là parce qu'il veut témoigner l'amour et son adhésion à la vision de Dieu. Donc ne faisons pas comme si on dormait facile. On ne fait pas des gens qui croient en Dieu. Quelqu'un, si tu fais quelqu'un qui croit en Dieu, tu vas le flatter, il va bien te bouffer, après il va te partir. On a vu les gens qui ont, on a flatté même. Dieu, on va donner le travail. On a même donné le travail. On a donné. Quand il a eu tout cela, c'est bon. Il a eu ce qu'il espérait avoir et en fait. Qu'on ne nous fasse pas. Mais que chacun puisse dire, j'ai cru sur la vie éternelle et je vais la voir. Je l'ai aujourd'hui. Je vais la voir demain. Je vais la voir après demain. Tous les jours de ma vie sur la terre, c'est le jour où je suis dans la vie éternelle. Et cela me pousse à me sanctifier tous les jours de ce que je crois qu'il est de Dieu. Qui peut me garder de tomber. Parce qu'on peut tomber à tout moment. Si tu penses que tu es dans la vérité, prends garde demain de ne plus être dans la vérité. Je me dis, oh, vraiment, c'est le frère Stéphane qui m'a scandalisé. Vraiment, quand le frère me parle comme ça, ça m'a vraiment énervé. On a parlé comment à Jésus. Cela énervé un jour, et c'est un jour, il s'est même bien. Au contraire, on a parlé comment aux apôtres. On les a toujours loués. Que non, vraiment, si on a eu quand c'était le Dieu, quand ils crient sur les malades guérissent. Ils ont même ouvert les yeux. Non, au contraire. Parce qu'ils ont fait le mal, ils ont fait le bien, on les a mis en prison pour les tuer. Quand l'apôtre Paul et Barabbas ont relevé le paralytique, on a voulu faire des dieux, les amis et Jupiter. On devait faire de les dieux. Mais quand ils ont dit c'est Jésus que nous prêchons, on a dit ouais, pas l'étape. Là, on voulait faire un sacrifice pour eux, que les dieux sont venus vers nous sous forme humaine. Et on voulait égorger. Il dit non, ne fais pas cela. Sinon, les êtres comme vous, on a seulement cru en Jésus-Christ. On dit, ah, c'est ça, hein. On a même vu le malade qui l'ont guéri. On a même le malade, on ne sait pas là où il était parti. Mais on a entendu, comme ils n'ont pas eu de Jésus, on va seulement les tuer. Mais tu veux aussi faire un petit bien avec quelqu'un qui s'appelle un drapeau. On ne voit pas que c'est moi qui allais faire du Jésus. Donc, avec tout le monde, tout le monde est ingrat. On ne t'a pas parlé, on ne t'a pas fait du Jésus, on ne t'a pas considéré. On a Jésus qui guérissait les malades tous les jours. On l'a considéré en faisant quoi? On l'a pris comme un pauvre, méchant, malfaiteur pour le mettre sur une croix minable. Il a fait quoi de mal? Mais pour toi, tu vas dire. Tu vas te reconstruire sur toi-même parce que vraiment les frères ne sont pas fait ici, les frères ne sont pas comme cela. Il y a des frères qui viennent à l'église, ils veulent me réjouir comment? Quand je te laisse, c'est à l'église. Tu n'es pas chrétien. Tu ne viens pas ici à l'église, tu te réjouis pour quelqu'un. Alléluia. Tu te réjouis pour ce que Dieu a fait pour toi, pour ta bonne relation avec Dieu, tu te réjouis. Même si personne ne se réjouit, tu te réjouis, même si tu es seul. Tu me réjouis parce que tu sais que Dieu t'a fait quelque chose. Mais c'est passé, quand le frère est passé avec la voiture, il m'a battu. Alors qu'il savait, on passait à des villes. Et après, tu as vu danser comment avec les gens comme cela. Quand tu croyais à l'évangile, on savait qu'il va te porter dans ta voiture. Pour aujourd'hui, tu dis, il t'a pas porté. Il a fait quel engagement avec toi? Il dit, le frère ne m'a pas salué. Quel est l'engagement qu'il a fait avec toi? Parce qu'il a fait saluer tous les jours. Est-ce que Dieu t'a salué? Si Dieu t'a salué, ça va. Mais nous laissons décourager, c'est nous le connaissons parce qu'on appelle les ruses du diable. Nous connaissons parce que c'est les ruses du diable. Un jour, j'ai eu le témoignage d'un frère qui avait un problème. Il est parti devant Dieu, il a pris 5 jours de prière à tête, sans manger ni boire. 5 jours. De prière à 7. Et à 18 du 5e, quand il est passé clôturé, comme l'église n'était pas lissé comme ça, c'était en terre battue, il est passé se mettre à genoux là, il y avait les fourmis maniants. Les fourmis n'ont pas dit que c'était un jour de prière, on va avoir perdu. Ils l'ont piqué. Il s'est levé et a dit, mes frères, que j'ai fait 5 jours de prière, frère. Ils m'ont même clôturé la prière. Les fourmis à l'église me piquent. C'est plus normal.
Il est sorti de l'église, il n'est plus jamais entré à l'église. C'est le jour là, il a abandonné la foi. Lui dit la vérité. J'ai connu un autre. Tu as été choisi de faire un serviteur. Tu as été choisi de prier à 7. C'est le service de Dieu. Et quand il est choisi de tuer, à 18 ans, sa femme n'était encore au marché pour chercher à nourriture. Et c'était suffisant pour qu'il abandonne la foi. Il fait 3 jours de prière pour abandonner la foi. Il est parti après 3 jours de prière. Il abandonne la foi après 3 jours de prière. Mais vous croyez que le diable, à la fin de l'user, on a passé une semaine de prière, c'est lui qui vient de s'assurer. Chacun devait lutter pour conserver sa grâce. On a prié pour le Dieu, mais ça, c'est pour la grâce individuelle. Si tu as bien prié, Dieu te bénit toi-même d'abord. Mais combien de personnes ont prié même? Combien de personnes ont prié? C'est comme une charge qui s'est imposée lui-même. Ils n'ont pas une charge qu'on leur a imposée. Faisons attention, bien-aimés. Le diable est rusé. Il peut passer par n'importe qui pour chercher à se balancer. Non, le diable a cherché par tous les moyens. Il a cherché à se balancer par les juifs, par les sadducéens, les pharisiens. Non, il n'a pas pu. Il a passé même par Pierre. Il n'a pas pu. Il a passé par beaucoup de personnes. Il cherchait le moment favorable. Or, il faut que le chrétien soit en alerte maximale tous les jours. Tous les jours. Que le diable veut me faire échouer ma course. Nous sommes par exemple dit, les autres ont fait ceci. Les autres ont fait comme cela. Oui, ils ont menti. Ils ont fait comme cela. Ça qu'importe, s'ils ont fait cela, ça les regarde. Ma part, c'est de saisir la vie éternelle, de saisir la vie éternelle. À laquelle nous avons été appelés. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Oui. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcise. La conversion. Quand je suis converti, cela n'a de sens que régulièrement tu pratiques la parole de Dieu. Être chrétien converti, que je suis baptisé d'eau, il va y avoir le Saint-Esprit. Et on vient encore sur les choses, les trucs mauvais en toi, ça n'a pas de sens. Quand tu es chrétien, tu ne connais pas comment tu vas t'habiller comme pour que Dieu soit content. Tu ne connais pas comment parler de ta conversion n'a pas de sens. Si Jésus a le baptême, le Saint-Esprit, et l'amour de la prière n'y a pas, l'amour de Jésus n'y a pas, l'amour fraternel n'y a pas, ça n'a pas de sens. On connaît un converti par la manière dont il vit. Nous ne vivons pas passer la majorité de Dieu. Non, nous vivons parce qu'on a cru en Dieu. On met la parole en pratique. Non, pas pour plaire à quelqu'un. Non, je ne veux pas faire amitié avec quelqu'un. Je ne veux pas venir à l'église ici, là, pour que quelqu'un soit content de moi. Non, je ne sais pas. Mais je veux venir à l'église, parce que c'est là la main de Dieu. Là, c'est ici même seul. Alléluia. Et maintenant, je me fais des maisons. J'aimerais Dieu là où je vais partir. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas dans cette maison. C'est nous qui venons ici à c'est la maison de Dieu. On peut détruire sans faire le fait. Ça va pas se dissoudre. Viens on dormir là-bas. On peut dire la maison de Dieu, c'est dans la cabane là. Et on part là-bas. Dieu, c'est nous qui amenons Dieu quelque part. Dieu est dans son cœur, il est dans ton cœur, il est dans mon cœur, il est dans nos cœurs. Et là où nous, on est, il a dit, là où deux ou trois sont en mon nom, je suis au milieu. Même si c'est cela, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit l'autre jour, et bien c'est ce matin même qui m'ont dit ça. Qui a au nom des frères, quand les a derrière l'assemblée, ils ont parti faire l'église ailleurs. Et on est venu encore là-bas. Prends même les bancs, même les abeilles. Ils sont Dieu. Avant pas même sous l'arbre, on va adorer nos cœurs. Dieu est dans nos cœurs. Pour d'autres personnes, Dieu, tant si on prend la petite, c'est lui qui tombe sur la fête. Non. Il va que chaque chrétien soit conscient que je crois en Dieu pour sauver mon âme. Et je vais la sauver. Alléluia. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Non pas dans une foi illusoire, mais toi, où je suis converti.
dans les faits, je ne le suis pas. Il y a des gens qui ne se plaignent qu'avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non pas pour les donner l'évangile. Non pas pour les donner l'évangile. Mais ils sont contents d'être parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que nous parlons de quoi ensemble? Nous parlons de quoi ensemble? Si ton incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, qui t'enverras la lettre de la loi et de la circoncision? Je suis quelqu'un qui est chrétien. Et que un païen l'instruit sur la vie chrétienne, est-ce qu'on va pas dire que le païen a même son pasteur? Et si le païen dit à quelqu'un qui est chrétien que ton comportement n'est pas bon, il faut encore lui dire qu'il est devenu pasteur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un païen qui ne connaît pas la Bible te dise que ton comportement n'est pas bon. Bien, je dois même dire que ton habit n'est pas bon, il faut aller changer. On dit ça à un chrétien. Ce n'est pas normal. Quand il y a un chrétien qui dit non, la même chose à parler avec le reste, c'est pas bien. Vous bien quand vous allez lui demander pardon. Quand c'est un païen qui dit ça à un chrétien, c'est une honte. Quand un païen dit à un chrétien, tu as menti. C'est pas bon. Le juif, ce n'est pas celui qui appena les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le chrétien n'est pas celui qu'on voit avec les yeux. Le chrétien n'est pas celui que quand on le voit venir à l'église, on voit les chrétiens. Non, ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien, c'est qui lui? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lèvre. Alléluia. Par exemple, quand c'est le cœur qui est converti, ça se démontre sur l'extérieur. Quelqu'un qui n'a pas les publicités en lui ne porte pas la vie impudique. Alléluia. Connais-tu quelqu'un qui est impudique? Quand tu vas voir son avis, tu vas voir ce que son cœur est. Quelqu'un qui est menteur, il va pas. Puis celui qui n'aime pas le mensonge, il va pas marcher avec les gens qui sont les menteurs. Il va se plaire avec eux. Dis-moi qui tu entres, je dirais qui tu es. Il suffit de voir avec qui tu as l'amitié pour connaître quel genre de vie tu mènes. Mais si tu viens dormir à l'église tous les jours, non, ta circoncision, ta conversion, n'est pas celui que tu vas voir avec les yeux. De toute façon, on est à l'église. Mais c'est ce qui est dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est une vie qui est en nous et qui ressort dans les actions. Qui ressort dans une relation parfaite avec Dieu. C'est une communion avec Dieu, avec ses frères, qui marche aussi selon Dieu. Pas bien, mais le témoin de ce juif est un Dieu. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. Alléluia. Il va être Dieu, témoin qui nous bénit, que Dieu le témoigne. Que nous disons que c'est de louange de Dieu, c'est nous de louange de Dieu, de Dieu, non pas des hommes. Je n'ai pas besoin que tu me dises que non, tu me fasses des éloges. Non, je veux que Dieu le fasse. Les apôtres ont souhaité que Dieu fasse des éloges. Même si lorsque la population entière les a lapidés, ils savaient que Dieu m'a reçu. Quand on lapidait Étienne, le monde entier l'a lapidé. Mais il était content parce qu'il voyait qu'il partait du ciel. Et lui, il voyait que chacun de nous vive comme cela. Ne prends pas seulement le nom de chrétien, mais vive la vie chrétienne. Nous sommes seulement là pour considérer ce que les autres font. Corrige ce qu'ils font sur ta manière de faire. Corrige les dégâts que les autres font sur ta manière de vivre la vie chrétienne. Nous sommes là pour dire tel acte ici. Non, on ne dira jamais le mot que j'ai fait cela. Et si tu ne veux pas le faire bien aimé, beaucoup de personnes auraient aimé être assises là, mais qui ne le peuvent plus. Qui ne le peuvent plus.
Beaucoup de personnes aimeraient comprendre la parole de Dieu dans sa vérité, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Parce que le diable, après la colère de Dieu étant sur eux, le diable a détruit sur le sens. Nous puissions comprendre. Nous serons les rangs. Alléluia. Amen. Soyons fermes dans la parole de Dieu. Ne devenons pas, soyons des chrétiens et de nom et d'action. C'est ce que Dieu attend de nous. Et nous parviendrons. La lutte va être grande. Les difficultés vont venir. Et qui nous a dit qu'il ne va pas les difficultés? Même Jésus a dit que. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ne me découragez pas. L'ennemi va se me voir au point où celui qui ne connaît pas Dieu va dire que c'est quelque chose. Et après, ça va disparaître. Ce qui n'est pas de la vérité ne subsistera pas. Même si tu n'es pas de la vérité, tu ne vas pas subsister. Et lui dit la vérité, même si là où nous sommes assis, si quelqu'un n'est pas convaincu de ce qu'il fait, tôt ou tard, il va retrouver la porte du dehors. Et on va être étonné. Que, mais comment même le frère, si, on le voyait physiquement, mais on ne voyait pas son cœur. Or, il faut que nous puissions avoir un cœur clair, convaincu devant Dieu. L'ennemi ne va pas le faire sur nous. Alléluia. Voilà, bien aimé, que j'ai pris de le faire, que nous puissions voir cette matinée. Que le Seigneur bénisse cette parole de Jésus-Christ. Amen.